Un peu de réglage à la grand voile. Le bateau, il est entre 12 et 13 nœuds de vitesse. Soleil. Et finalement, le passage de l'équateur. Et maintenant, c'est la descente dans l'Atlantique Sud. Mais la route est plus longue, on le voit, hein, au classement, même si je fais 2, 3 nœuds, 4 nœuds plus vite que je ne progresse pas beaucoup, je fais une route beaucoup plus rectiligne, beaucoup plus droite sur le but. Mais de toute façon, les résultats n'apparaîtront que dans 6 ou 7 jours. Il faut être extrêmement patient et surtout pas regarder la feuille de match toutes les 5 minutes, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Comme vous pouvez le voir, pas beaucoup de vent. Et voilà, on est à 20 degrés sud. Toujours reaching, bâbord, et puis on approche de l'anticlone de Sainte-Hélène. On s'y approche trop près, je pense pas. En tout cas, c'était pas prévu comme ça dans les fichiers. Mais bon, c'est le Lalise, ça revient et ça repart. Peut-être que dans une heure, il y aura 20. Allez, ciao ciao.